Bonjour à vous, Dr Alounba. Bonjour à Aboubakar, bonjour à toute votre équipe. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes professeur de philosophie politique et vous êtes auteur du livre « Pour les Guinéens, histoire, démocratie et développement ». D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, un mot sur votre personne. Est-ce que les Guinéens, personnellement, je ne vous connaissais pas, je ne suis pas dans les milieux universitaires. Qui êtes-vous? Un mot sur votre parcours. Un mot d'abord de remerciement pour votre invitation à venir dans votre studio pour faire connaissance et parler de ce livre-là. Mais aussi un mot pour m'associer aux hommages qui sont rendus à Madame Silla qui nous a quittés. On a nos prières qui la suivent, qu'Allah l'accueille parmi ses martyrs. Je suis Alounba, enseignant-chercheur à l'université de Sonfonia. Après un master à l'université de Conakry en 2002-2003, je suis allé à Strasbourg pour faire un troisième cycle en philosophie. Et un troisième cycle de philosophie qui m'a conduit à faire également un master en sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Strasbourg et à faire également un master en responsable ressources humaines. Voilà, citoyen guinéen engagé dans la réflexion pour transformer ce pays. Mon créneau, c'est le créneau du philosophe Marx. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter différemment le monde. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de le transformer. Et quand on le réinvestit dans la situation guinéenne, c'est comment transformer la société guinéenne, comment le faire avec pédagogie, comment le faire avec application, avec rigueur, parce qu'on a besoin de tout cela pour changer ce pays qui est riche, on l'a dit, on ne cesse de le dire, ouais. Qui est riche par ses ressources humaines d'abord, avant même ses ressources minières. Donc, voilà. Bien, belle présentation. Docteur, les Guinéens se sont réveillés le 5 septembre sous, disons, l'obligation de constater un coup d'État. Moi, j'ai envie rapidement de vous demander quelle est la stratification d'une transition, parce que nous sommes en train de vivre une transition. À votre avis, quelle pourrait être la Guinée qu'on devrait construire pour peut-être pendant cette période de transition? Mais d'abord, moi, je ne connais pas la transition, je suis assez jeune. Quelle pourrait être sa stratification? Deux questions dans ce que vous posez. Il y a d'abord l'événement lui-même du 5 septembre, oui. Sur lequel il faut revenir, le préciser, le présenter pour qu'on comprenne ce que c'est de façon historique et après ce que c'est qu'une transition, quelles sont les étapes constitutives d'une transition. Très bien. La première question, l'événement du 5 septembre est un événement unique en Guinée, unique parce que c'est la première fois qu'on dépose un président en exercice. Donc c'est différent de ce qui est arrivé en 2008, c'est différent de ce qui est arrivé en 84. Mais la particularité de cet événement de 2021, du 5 septembre, le concept du 5 septembre, c'est ce que je m'apprête à sortir prochainement comme livre pour les Guinéens, dans la continuité de pour les Guinéens. Ce qui est particulier dans cet événement, c'est qu'il vient rompre un temps. Il y a une rupture, il y a une cassure qui se fait entre le temps passé et un nouveau temps. Cette césure-là, elle est importante. Elle fait naître chez le peuple une attente. Une attente parce que le peuple se dit... Un espoir, oui. Un espoir. Une attente d'abord parce que le peuple se dit « Ah tiens, les choses vont changer, les choses peuvent changer. » D'autant que les discours qu'on a entendus, les premiers discours des nouvelles autorités, vont dans ce sens. On n'a jamais entendu dans ce pays faire de la justice, la boussole qui gouverne une action politique. On ne l'a jamais entendu. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui fixe une trajectoire. C'est quelque chose d'important. Mais ça fait une attente et cette attente devient automatiquement une espérance. On a envie que ça se réalise maintenant parce que l'espoir est là, parce qu'on y croit. Nous tous, nous y croyons. Effectivement. Et parce que nous y croyons, il faudrait que nous nous y appliquions, que nous y participions. Et c'est quelque chose que je fais avec mes étudiants. Comment pensent-ils, eux, à leur propre niveau, en tant que philosophes, politiques, participer à cette transition? Et donc, le quatrième concept, en tout cas, qui vient complètement lié à la question du 5 septembre, c'est la question de l'impatience. Donc, on est dans l'attente, on est dans l'espérance,
Et on est dans l'impatience. On veut que tout se fasse, mais que tout se fasse vite et bien, rapidement. C'est contradictoire en même temps. Effectivement. Parce qu'on a vu que tout s'est fait vite en 2008 et 2010, mais tout s'est pas fait bien. Il faut pas reproduire les mêmes erreurs. C'est pourquoi il faut faire les choses proprement. Et faire les choses proprement, pour répondre au deuxième volet de la question, c'est la libéralisation est en cours. Aujourd'hui, nous vivons l'expérience de la liberté en Guinée. On n'a jamais participé dans ce pays-là à des concertations avec des autorités politiques. Même au sein des partis politiques, ça n'existe pas. Hein? La démocratie est ajournée déjà au sein des partis politiques. Elle est encore ajournée auprès des autorités. Aujourd'hui, on nous a donné cette possibilité de participer à la co-construction de ce qui nous a été proposé comme la charte et peut-être de ce qui va être une partie du programme politique qui va être déroulé. C'est une expérience de la liberté extraordinaire. Quand la Révolution française a eu lieu, un philosophe, un grand philosophe comme Hegel disait « c'est la liberté en action, c'est un formidable, un superbe lever de soleil ». Qu'il en soit ainsi pour nous Guinéens de voir que on puisse saisir cette liberté pour aller de l'avant. Donc, libéralisation, premier point, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La transition va démarrer. On a un gouvernement qui est mis en place, mais ça ne suffit pas puisque on attend le CNT et on voit comment les différents acteurs sont en train de se battre dans la société parce qu'ils ne s'entendent pas, ce qui amène à une vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, le système de partis politiques, le système de la société civile qu'il existe, tel qu'il existe aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas à refonder? Est-ce qu'il n'est pas éclaté complètement pour aller sur de nouvelles bases et pour aller vers une démocratie qui permettrait à la fois l'alternance, mais aussi une expression plurielle des différentes composantes de notre société? Et donc, c'est cette phase de démocratie, quand nous y serions, qui sera la phase de consolidation de tous les acquis qui seront construits pendant cette période de transition. Alors, quand le colonel, dans son discours de prise de pouvoir le 5 septembre, après avoir dénoncé tous les dysfonctionnements et tous les maux qui étaient donc ceux de la Guinée avant le 5 septembre, il promet donc, il s'engage sur une refondation de l'État. Une refonte du système électoral, du fichier électoral, etc., etc. Comment vous appréhendez l'expression « refondation de l'État » ? Nous sommes dans une période, si vous me permettez l'expression, révolutionnaire. Révolutionnaire au sens où il faut reconstruire, où il faut avancer avec de nouvelles bases solides pour construire quelque chose qui sera pérenne et durable et qui permettrait que des générations qui viendront après nous, dans 30 ans, trouvent une démocratie qui est stabilisée. Et la refondation de l'État en ce sens est important parce qu'on a vu que l'État a failli ces dernières années. Comment elle devrait s'exprimer? À l'attention de ceux qui nous écoutent, parce que ça semble encore être un mot valise qui n'est pas capté, dont le sens n'est pas capté par tout le monde. Comment cette refondation devrait se décliner, devrait se traduire dans la réalité? Et peut-être pour ajouter à la question d'Aboubacar, on a récemment écouté le président Bazoum dire qu'il faudrait s'éviter d'aller dans les concepts fumeux. Comme oui. Refondation de l'État, reconstruction de l'État ou que sais-je. Oui, on a besoin d'une refondation de l'État guinéen. Je vous disais que l'État a failli. Si vous regardez le petit bouquin pour les Guinéens, vous trouverez des développements assez intéressants là-dedans. Mais pour revenir techniquement, comment le faire? Il nous faut une administration publique neutre et efficace, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Dépolitiser. Donc une neutralité de l'administration à mettre en place qui exige une réforme de l'administration telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, des modes de recrutement dans l'administration, des relations entre les services parce qu'il y a, on voit qu'il n'y a pas de transversalité, ça ne communique pas beaucoup. Il y a des rouages qui sont bloqués pour des questions qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement de l'administration elle-même. Donc, il faut revenir à cette question-là, faire en sorte que l'administration fonctionne, quel que soit le parti au pouvoir, quelle que soit la personne du gouvernement. Ce qui n'était pas le cas ces dernières années. Ouais. Donc, la première question. La deuxième question plus importante, c'est l'administration de la justice. Il nous faut reformer le système judiciaire guinéen pour que ce système-là soit à l'avant-garde d'une société nouvelle, société qui nous permet tous, à égalité de droits et de devoirs,
d'être des justiciables, ce qui n'est pas le cas totalement aujourd'hui, puisque d'autres arrivent par des manœuvres à se soustraire à ces mécanismes-là. Il nous faut reformer les institutions démocratiques elles-mêmes. C'est peu de le dire quand vous voyez le projet de loi constitutionnelle qui a été fait et qui a été présenté au peuple le 19 décembre 2019, et qu'on vous dise derrière, vous à Boakar, vous à Koumba, aux chers collègues qui sont présents, que ce texte est passé par l'Assemblée nationale, a été lu, validé par le président de l'Assemblée nationale. Il est passé par la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. Il a été lu, validé par ces gens-là. On se dit qu'il y en a des problèmes avec nos institutions. Or, la démocratie ne vaut que par la valeur de ces institutions elles-mêmes, par leur capacité à être neutre, par leur capacité à être en faveur du droit, à promouvoir les cadres juridiques légaux en vue d'une transformation de la société. Ce qui n'était pas le cas. Tout à fait. Voilà. Donc, ces trois réformes me paraissent importantes par rapport à la refondation. Réforme du système politique et électoral aussi. Politique. Le système électoral, vous mettez là-dessus, je vous disais tout à l'heure, il faut reformer le système des partis. On a un système. Le système des partis. Il faut reformer complètement le système des partis. Quelle est votre proposition là-dessus? Aujourd'hui, on a combien de partis en Guinée? Officiellement, 181. Officiellement. Agréé. 181 partis. Combien vous en connaissez personnellement? Une vingtaine ou une trentaine. Vous en êtes sûr? Vous pouvez les citer? Oui, bien sûr. Une vingtaine, oui. Demandez à nos compatriotes, citoyens, s'ils peuvent vous citer au-delà de 4 partis. Ouais, ce serait difficile. Ouais. Et ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans un maillage politique où tout est parsemé, où tout est perdu. Il faut clarifier ce jeu des politiques. Pourquoi? Parce que ce jeu politique aujourd'hui qu'on a des partis politiques est favorable à un clientélisme politique et biaise l'alternance démocratique. Pour qu'on ait véritablement une alternance démocratique, il faut un jeu de partis assaini. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut aujourd'hui, nous sommes dans une période d'exception qui peut le faire, il faut techniquement dissoudre le système des partis. Pas le principe des partis, je m'explique. Ouais, c'est très bien. Le principe des partis, le principe des partis est vital. On a besoin des partis, mais pas de leur structure actuelle, pas de leur fonctionnement actuel, pas de leur organisation territoriale actuelle, pas de leur base locale actuelle, parce que tout cela compromet dangereusement l'unité de ce pays. Or, est-ce que vous êtes favorable à ceux qui plaident pour rien que 3 partis, la gauche, la droite et le centre? Qui incarnerait voilà, ces 3 niveaux. Et que cela soit codifié dans les textes de loi. Qui joue le rôle de la gauche en Guinée? Qui joue le rôle de la droite? Idéologiquement, vous n'aviez pas ces marqueurs en Guinée. Elles n'existent pas. Pourquoi? Est-ce que c'est à cela qu'il faut venir finalement? Il faut venir à quelque chose de simple. C'est-à-dire fonder des partis sur une demande réelle. Je crée mon parti, pas que je puisse faire chanter Aboubakar un jour parce que je me suis lié à lui pour avoir une position de ministre et qu'il maintenant il est au pouvoir. S'il ne me le donne pas, je crie son nom dans toutes les radios. Non, il faut que je crée un parti parce que j'ai une offre politique qui est réelle, qui correspond à une demande. Le parti des jeunes, en Guinée, il n'y en a pas. On pourrait avoir un parti des jeunes parce qu'il y a une demande de la jeunesse qui est forte aujourd'hui. Il y a une question aujourd'hui de l'emploi des jeunes qui est important. J'entendais M. Kaba dire tout à l'heure que les politiques n'aident pas à l'insertion professionnelle des jeunes, mais les universités doivent mettre en place des chargés de relations entreprises pour développer la relation en vue d'insérer leurs étudiants. Les universités peuvent faire la proposition à l'État, au ministère de la fonction publique ou au ministère de l'enseignement supérieur pour mettre en place des contrats d'apprentissage à l'université, des contrats de professionnalisation, des opportunités de stage dans les établissements publics et privés, parce que c'est par ce biais qu'on fait aussi la transmission aux jeunes générations et on les permet d'évoluer réellement dans notre pays. Donc là, il y a des sujets sur lesquels les universités peuvent travailler, sur lesquels les politiques aussi peuvent travailler. Donc il faut assainir le système politique. Il faut complètement assainir le système des partis, parce que le système des partis tel qu'il fonctionne, ça ne marche pas. Je sais déjà que ça est en train de crier, les auditeurs sont en train de crier, qui sont attachés à ce système de partis. Je n'adhère à aucun parti. Donc il faut les dissoudre. À leur état actuel, il faut les dissoudre. Il faut dissoudre ces partis,
mettre de nouvelles conditions de création de partis. Lesquelles, par exemple? Avec une base électorale nationale populaire d'au moins 25% par région. Par région. J'allais venir à cette question. Comment détribaliser ou dérégionaliser ou décommunautariser ces partis politiques? Oui, parce qu'on pense aujourd'hui que si dans mon bureau politique, j'ai un Peul, un Soussou, un Malinké, un Forestier, que je suis un parti national. Mais après, chacun va se dire, ah, mon bastion, c'est la Haute-Guinée. Hein? Vous avez entendu tout à l'heure... Docteur, voilà. un autre va vous dire, ah, mais vous savez, c'était votre question, mais vous êtes sûr qu'en Moyenne-Guinée, vous aviez Pion là-bas? Tout à fait. C'est des partis qui sont ethnicisés. Et il faut les casser, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut permettre que dans le système des partis, il y ait une démocratie interne aux partis. Ça n'existe pas aujourd'hui. On a aujourd'hui, depuis 15 ans, 20 ans, je dirais, les mêmes personnes qui étaient présidents des partis, qui continuent à diriger les partis pour se présenter à l'élection présidentielle. Il n'y a pas d'alternance au sein même des partis. Comment voudriez-vous que notre système, qui n'a jamais connu d'alternance démocratique, puisse en connaître lorsque dans les structures de base, cette démocratie, elle est bloquée? Il faut l'ouvrir à la base, qu'on puisse avoir aujourd'hui, il y a des possibilités d'avoir des jeunes entre des jeunes adultes, je m'entends, entre 45 et 55 ans, qui ont la force de l'âge, qui ont l'âge prophétique, comme on dit, qui ont l'expérience nécessaire de l'administration et de l'État, qui peuvent arriver à ces fonctions. On n'a pas besoin des gens qui ont plus de 70 ans. On en a fait déjà une expérience. Ouais. Hein? On n'a pas besoin que ce soit forcément toujours les mêmes qui captent, en tout cas, les poste pour arriver à ces niveaux-là. Si on vous entend bien, vous êtes en faveur d'une sorte de dégagisme de la vieille classe politique. Non, il faut la mettre dehors. Je ne dis pas dégagisme, je dis qu'il faut que ces gens-là, dans leur propre parti, créent également les possibilités d'une alternance. Quand on veut l'alternance, elle ne doit pas être qu'au niveau national. Elle doit être aussi à la base dans les structures pour que le renouvellement puisse se faire et que ce renouvellement-là favorise effectivement des idées nouvelles, des options nouvelles, une nouvelle offre politique pour la Guinée, une offre politique qui permet aux Guinéens de pouvoir effectivement se déterminer en fonction des contenus et non en fonction des... Il ne reste que 4 minutes. On va aller sur la réforme du système électoral, la réforme du fichier, forcément. Docteur, d'aucuns pensent, par exemple, vous allez la poser. Hein, il va répondre aux deux et puis ce sera terminé. Allez-y. D'aucuns pensent que pour arriver à assainir le fichier électoral, notamment la question essentielle du dissensus autour du fichier, qu'il faut recenser les Guinéens. Est-ce que vous pensez... Procéder à un recensement général. Est-ce que le recensement général de la population est un exutoire aux problèmes liés au fichier électoral? Ouri, votre question. Je préférerais qu'il... Bon, voilà. Pour enchaîner, moi, je considère que tout ce que vous avez dit tout à l'heure est une sorte de d'idéal que nous visualisons. Et vous avez un peu parlé de toutes les mauvaises pratiques. Moi, j'ai dit à un moment que la Guinée était malade de ses fils, eux-mêmes malades aussi de beaucoup de pathologies. Maintenant, dans ce schéma-là, quelle doit être l'attitude du chef? C'est-à-dire que le colonel Mamadi Doumbouya, qui a une vision, et vous avez vu qu'il a transporté ses collaborateurs dans un camp pour peut-être les mouler dans le cadre de cette vision qu'il a. Mais au-delà d'eux, quelle attitude doit avoir pour, sans état d'âme, combattre toutes ces attitudes de déviance qui ont miné le système depuis toutes ces décennies, qui fait que nous sommes là où nous sommes? Ouais, surtout face à une classe politique, la même classe politique qui est à réformer, qui est pressée, qui lui met la pression, qui veut des élections tout de suite, et donc avec le risque que cette transition soit dévoyée. Et on prend votre question, Mohamed Kaba, pour clore. Il va répondre aux trois questions en trois minutes. Allez-y. Oui, Monsieur Bar, vous l'avez dit en filigrane, un président démocratiquement élu qui a été, entre guillemets, cueilli par les militaires. Alors, quel sort a réservé au président Alpha Condé? Bien. Alors, ça fait quatre questions. Bien, allez-y. On va vous donner trois minutes pour y répondre. Bon. Ça va nous amener à 5 ans. Oui, le recensement, oui, c'est une obligation. Parce le recensement général. Le recensement général, puisque les différents acteurs ne sont pas d'accord sur la fiabilité du fichier. Pour mettre tout le monde d'accord, il faut en tout cas créer ces conditions d'avoir un recensement qui ne se fera pas en un mois,
Donc la CEDEAO là également botte en touche parce que... Moi je parle du recensement général. Oui, il parle de la même chose. Si vous voulez que les gens aient leur carte d'électeur et que ce soit des cartes d'électeur qui ne sont pas de mon grand-père qui est mort depuis des années, il faudrait quand même recenser. Et cela, aujourd'hui, ça me pose comme une exigence qu'il faut faire dans ce temps-là, comme la rédaction de la Constitution s'impose, comme beaucoup d'autres choses. Bien. Donc, ça, c'est pour vous répondre, pour faire rapide. Je pourrais donner des commentaires sur la nécessité. Pour revenir sur la vision, elle est importante. Elle fixe un cap, elle fixe une méthode et elle accompagne le travail à faire. Je pense que le séjour qui a fait polémique ne devrait pas en faire une parce qu'il est normal que lorsqu'il y a une nouvelle équipe, que les gens se retrouvent, se rencontrent, travaillent. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du coaching du team building. Hein? Ce team building est important parce que ça permet d'harmoniser des positions, de voir des points sur lesquels les ajustements mutuels peuvent être possibles et de pouvoir avancer ensemble. Vous parlez des questions d'élection. Oui, il ne faudrait surtout pas aujourd'hui, on va nous brandir les menaces économiques de la CEDEAO, de l'Union européenne, de tel et tel, d'accord. Mais si nous faisons un travail profond, citoyen, et que tous les Guinéens s'engagent à se changer, à se transformer en eux-mêmes, en Guinéens nouveaux, avec des valeurs nouvelles, pour accompagner cette transition, ensemble nous réussirons cette transition et nous aurons une stabilité à venir. Sans cela, nous serons dans des difficultés. Quant au sort du président Alpha Condé, je pense que les autorités ont déjà fait beaucoup de discours là-dessus, sur les conditions de sa santé, de sa sécurité. Je pense qu'il faut leur laisser le temps d'annoncer les mesures proprement qu'ils ont définies pour le concernant. La classe politique a-t-elle raison de mettre la pression sur cette junte? Non, aucunement. Non, je n'ai pas cette réponse, mais honnêtement, mais je vous dis que ça ne doit pas être une transition à 6 mois parce que ça ne nous permettrait pas de résoudre les vraies questions. Bien. Parce que le mal guinéen est profond et il faut le traiter à la racine pour que nous ayons une société où les humains, les citoyens sont responsables, acceptent leurs responsabilités, l'endossent et vivent ensemble dans un vivre ensemble apaisé, ouvert, où la pluralité fait que nous sommes forts de notre diversité. Merci. Et c'est ça la première richesse de ce pays, c'est notre diversité. Docteur Alioun Ba, j'espère que vous avez adoré, hein, comme moi, j'en sors mais totalement bluffé, réconforté de cette interview. Il ne faut pas mettre la pression, franchement, prenons le temps de bien faire les choses et profitons réellement et fondamentalement de cette transition. Grand merci à vous, docteur. Merci à tous les 6. Grand merci à nos équipes, à la transmission, à la réalisation. Demain, si tout va bien, Dr Makale Traoré du parti PACTE sera notre invité de prestige dans cette émission. Au revoir, portez-vous bien.